Mot fléché sur le son wa. Alors les enfants, nous allons lire d'abord les deux lignes de mots, ici, en haut. Et après, une fois qu'on a terminé, on va regarder en bas à quoi correspondent. À quoi ces mots correspondent. À quel dessin au début de la ligne ils correspondent. Alors, on commence. Première ligne de mots. Noix. C'est un fruit sec, la noix. Noix. Ensuite, nageoire. La nageoire, c'est comme une petite. Comment dire? Les oiseaux ont des ailes pour voler dans l'air. Les poissons ont des nageoires pour permettre. Comme des petites palmes qui permettent d'avancer, de se déplacer dans l'eau, la nageoire. Ensuite, le loir. Le loir, c'est comme une sorte d'écureuil. Le trottoir. Le trottoir sur lequel on marche, qui est au bord de la route, le trottoir. Les bois ou le bois, hein, ça peut être le bois de la table, ça peut être le bois, la forêt aussi, hein. Ensuite, deuxième ligne de mots que nous lisons maintenant ensemble. La voiture, le toit de la maison, le mouchoir. La poire, qui est le fruit, et le miroir pour se regarder le matin avant d'aller à l'école. Si on est joli, si on n'est pas joli, c'est pas grave. Alors, on est prêt? C'est parti. Voilà, ici. Ça, c'est le poisson. Okay. Poisson, attention, ça descend. C'est vertical. Ça descend. Il faut passer toutes les lettres du mot poisson jusqu'au pont à la fin. Ensuite, la noix. Là, elle est cassée en deux. Le fruit sec, la noix. Avec un X muet à la fin. Ensuite, le trottoir. Le voici, le trottoir. Ici, le trottoir. Je vais le dessin. Voilà, c'est le bord de la route. Pour marcher comme ça, les voitures, si elles passent ici, elles ne peuvent pas monter. Peuvent pas nous écraser. Trottoir, avec le war, O-I-R. La poire, alors vous avez vu, le trottoir, c'est masculin, le garçon, ok? Le trottoir, donc il y a war, O-I-R. Par contre, la poire, comme c'est féminin, il y a un petit E à la fin, la poire, un petit E muet, soit il est muet, soit on l'entend un tout petit peu, la poire. Donc n'oubliez pas d'écrire poire et avec le E final. Ensuite, le Loir, le voici le Loir qui ressemble à un petit écureuil. Seulement 4 lettres en verticale, ici en ligne, sur ligne verticale, numéro 4. Mais comme c'est masculin, le Loir, il n'y a pas de E à la fin. Le Loir. Ensuite, ça c'est le mouchoir, comme il y en a dans la place. Le mouchoir, pareil, masculin, le mouchoir. Donc O-I-R, pas O-I-R-E. Le miroir, pareil, la glace, le miroir, c'est masculin. Donc, O-I-R, O-I-R. Le toit de la maison. Alors, le toit de la maison s'écrit avec un T muet à la fin, un T final. Parce que on peut dire aussi le toit, c'est aussi la toiture. C'est comme une partie du toit, la toiture, c'est comme le toit. Donc, on entend toiture, donc T muet à la fin. Ensuite, ça, c'est la voiture. La voiture, et ici en 7 verticales, ce sont des planches en bois. Donc il faut écrire le mot bois verticalement avec le S muet à la fin. Voilà pour ces mots fléchés sur le fond. Bois.